on soit tout le monde, tout dépend de qui côté qu'il est. Un moment, on peut regarder. Et puis, tant de vidéos, ça, je dis à nous, c'est 10 mars 2023. Mes nouvelles là, dans bon gentil mamite. La police nationale a présenté un bilan lourd suite à diverses opérations menées dans la zone métropolitaine par rapport à la tornade et un cap continue à faire chemin. Chef porte-parole en après la police, Gary Desrosiers, présenté un bilan lourd par rapport à la quantité de monde qui mourit et puis il fait qu'on est tout en pilade. Il qui sauvé dans la nature jusqu'à présent. La police a déployé toutes les lits pour qui moyen cap capturer et puis la population souffre par rapport avec insécurité. Je ne peux constater là toute semaine dans la zone métropolitaine spécialement, nous avons parlé de Pétionville, Delma, La Boule, toute zone côté vite l'homme a frappé, Neraxam envahi, s'entendez, c'est ça, oublié, pas fait, et population, la guerre aux abois, jusqu'à présent, fait moyen, PNH, pas permettre de arriver dans toute zone ensemble pour capable contrôler action bandio cap continuer frapper n'importe au prince. Nous parler à ça qui gagne à ouais tout déclaration chef mission OEA fait dans micro la presse et Canada retire col dans dossier Haïti a bagayo ça c'est compliqué nan men ça yo ak lot après le développer nan nouvelle là pour jodi à vendredi. Mesdames messieurs, pas oublier nous dans weekend moun cap conduit pas bois ça cap bois pas conduit comme ça n'a toujours capable rester pour continuer la bataille dans la vie nationale. Si vous faites ça, abonnez-vous ensemble avec nous sur TV 83 pour que vous rejoignez la communauté nous et nous grandir ensemble pour nous continuer à informer nous sur toutes les dernières nouvelles. La situation est très très compliquée dans différentes localités dans la commune Pétionville à Kinskoff. Côté Negaxam envahit différentes localités et ça qui a créé en pile panique, en pile tension la caille citoyen. Mais dans le quartier Corlette, qui trouvait dans la commune Pétionville, hier après-midi, jeudi, qui était 9 mars 2023, situation était très très compliquée. Côté Neg avec gros âme Luna Meyo, qui envahit zone ça et Nego t'a tiré dans toutes directions et ça qui était la guerre. En pile la Pérez, la caille habitant yo nan kati nan Corlette. Et ben moun yo ki yo même qui était sous gros vent tension, gros vent panique, t'es obligé à cacher, rentrer en bas cabane, abriter yo pour yo pas sorti victime en babal nek armé sa yo. Nego tellement tapé dans toute direction, situation t'es tellement créé gros vent panique, ça t'es même rivé jusqu'à zone route frère même et côté toute route frère là t'es gros courir tout, camionnette, machine publique ou privée, chauffeur moto, ti machin, tout monde net dans bloc ça t'es dans gros courir parce que yo pas voulu sorti victime en babal en dit nek armé. Et situation ça tout l'ité même des conséquences sous monde qui t'a vivre dans zone Malik à Dieg parce que tout on en bloc ça qui t'a des gros coups de tir, gros coups de balle, il était sous pression tout pendant que n'a rappelé 8 jours avant ça passé hier dans date qui était 2 mars mais bandi exam tout est déjà fait coup balle chanter dans localité nan Colette. Ça veut dire c'est pas premier sérénade coup de balle nèg a chanté dans zone ça que ça arrivé hier n'a fait connait pendant que était gain pile SOS en pile cri qui t'a lancé bon côté habitant dans Colette, bon côté autorité policière. La police qui les même pas de faire vraiment intervention mais de préférence selon ça que habitant yo dit yo t'ai préféré voyer patrouille pour al en dit déplacer de en dit policier pour pas de sortie victime en babal gamé au lieu de porter c'est quoi avec en dit habitant dans zone mais de préférence yo t'a essayer garder comme t'es cas al porter support avec Fred Daniel. Ça c'est déclaration tout en pile habitant dans Colette eux même qui tape lancé cri d'alerte ça SOS bon côté autorité et concerné surtout autorité policière yo. Nous a quitté dans Colette pour traverser dans l'autre côté encore toujours mais là c'est dans Kinskoff nous pour arriver là côté on côté que les dans Bello benek avec gros âme louna meyo yo débarqué dans localité ça qui est dans Bello qui pas trop loin le Moncel qui trouvé dans commune Kinskoff hier après midi jeudi qui était 9 mars 2023 Nego débarqué dans la localité ça, yo tire un pile coup de balle, situation était très compliquée et yo même piqué difé, mettez difé dans plusieurs cailles qui trouvaient dans Bello et selon habitants qui dans zone ça, yo fait qu'on ait gagné 8 cailles qui t'a boulé rapiété en bas menek armé ça yo. Et ben habitants qui l'ont jeté sous équipe Timakaklan, yo dit qu'il t'a des actions ça qui t'a mettez difé dans plusieurs cailles habitants dans Bello qui patrouillent le Moncel qui trouvaient dans commune Kinskoff.
situation ça pendant tout hier soir jeudi an l'été créé en pile la Pérèse la cas divers habitants nan Bello et qui participent à lancer cri SOS bon côté habitant bon côté autorité concernée yo même qui exactement là qui tape qu'on est de moments très difficile et réalité ça mais l'ipat trop différent hier soir on apprend dans Belleville côté tout est gagné bandit qui attaqué zone là qui t'a tiré un pile coup de balle dans Belleville et moun yo tout qui en dedans Belleville tape lancé SOS bon côté autorité on dit bien hier soir commune Pétionville à commune Kinskoff qu'on est de moments tension devant panique dans zone Silayo parce que nèg exam décidé envahir différents locaux qualité en dedans commune Pétionville à Kinskoff et c'est pas jodi en situation ça lui-même l'a régné dans différentes localités dans différentes collectivités territoriales silayo n'apprendre que la police nationale d'Haïti est posé la patte sur individu ça dans date qui était mercredi 1er mars 2023 un certain de Gary Fredler et Junior Pierre. La police a arrêté deux Nexayo dans la localité Fleurio. Et la police fait qu'on a cherché Nexayo tant couché fou. Jeudi qui était 2 mars passé, force l'audio arrêté. Peterson, petit frère, et Enes, petit frère. Selon communiqué, la police nationale d'Haïti mettait dehors. Quatre individus Sayo, Yota Gagné doit être campé dans l'assassinat. Yon dame qui est les deux man Saint-Félix, suite avec sa délai 11 abracages qui ont été faits sur lui. Après arrestation, cas présumé assassin Sayo, la police nationale d'Haïti joint quoi victime nan, nan yon zone en dedans commune Wanamet. Et au fin tout yé dame nan, yon gen lè, mette quoi on côté, mais c'est quatre individus Sayo, la police arrêté nan dossier ça, un certain de Gary Fredler ak Junior Pierre, et yon arrêté nan Xonan Fleurio, et yon arrêté nan date qui était 2 mars déjà yon même. Tous ça yo qui relé Peterson petit frère ak Enes petit frère nek ça qui impliqué Jean Diane dans assassinat dans touyé dame ça qui relé Deman Saint-Félix n'a vini avec Andy Papa la police là qui s'est garé des osiers puisque hier là la police nationale d'Haïti rencontré la presse pour présenter Andy ensemble travail bilan opération la police nationale d'Haïti mené Papa la police là garé des osiers fait qu'on institution la police là conscient difficulté citoyen dans diverses zones groupe armé a fait guerre à Goumen en mitan yo tant qu'au Belé Solino commissaire divisionnaire là qui dit tant des réels peuple là mandé citoyen yo pour collaborer avec la police nationale d'Haïti pour arriver déloger groupe armé yo dans différentes localités sila yo en côté papa police Gary Desosier zame qui saisi plusieurs munitions il y a 10 véhicules qui confisqués par la police 5 saisi 12 kilos de marijuana saisi des 4 cas de viol que nous recensons, dont 2 mineurs, gagnent plusieurs bandits qui ont fait travail là. Nous conscients effectivement de la situation qui a développé dans la zone Sahara cité là, et gagnent dans la zone Sahara, je crois que, et au niveau de direction départementale, ils ont été renforcés, et équipe là. Mais c'est même équipe ça qui dans 4 opérations tornades là, qui mobilisées, c'est parfois c'est les mêmes qui ont en déplacement. Alors, comme moi-même, bah, les fonds ont élaboration pour que techniquement, on va dire tout bagaille, mais et nous croyons encore dans la population. Pas simplement au niveau zone ça, mais également tout, et situation qui a développé au niveau Bel Air et qui a développé tout au niveau Solino. Et nous tendons voir la population dans zone ça, surtout Solino, qui dit que eux-mêmes n'ont pas quitté bandit pour la zone. Yo. Et nous croyons que c'est un très bon signal. Et l'autre quartier, justement, côté que bandit prend en otage, je pense que la population doit lever camper ensemble avec la police pour que nous capables d'arriver, déloger un espace là pour que nous capables tout arriver maintenant dans la collecte et conduire devant la justice. Alors l'un de loger et pas déloger côté où il y a pour l'autre côté, mais c'est pratiquement une bataille au niveau de la PNH également, forte bataille ça tout pour lui partager au niveau de la population et tout secteur qui concernait la sécurité. Dans quelle opération on a un plaisir divisé dans divers groupes armés, dans Port-au-Prince, Toko, 400 Maozo, Torsel, Canaran, tombé en babal, dans une charge tir à la police nationale d'après ça qui dit bon côté, Gary Desosier. Le fait qu'on est là, commissaire divisionnaire a fait qu'on est tout plaisir, l'autre individu dans le département de ce pays a tombé en babal, la police, et bien la police a récupéré plusieurs âmes dans quatre opérations tonat 1 qui ont mené dans différents côtés en deux pays, entre côté Gary et Desosier. Mi Amos, 30 ans, et malheureusement, et monsieur lui-même lui blessé mortellement. Monsieur fait partie et groupe Nek 400 Marozoyo. La police a arrêté tout David et Joseph qui considèrent que le petit blanc
Aristide Enol et Jimmy Firmin, gagné tout dans Canaran, gagné John Peterson Moïse, qui continue que les John. Malheureusement, monsieur est blessé mortellement. Alors, blessé mortellement, ça aussi suite à échange de tir avec la police lors de l'intervention à la police. Gagné tout Elsius Lindor, 38 ans, membre actif gang Tossel, qui gagne en tête les vite l'homme, qui a arrêté tout au niveau de la direction départementale ouest, et gagné Doristan Roosevelt, membre 400 Marozo, et qui a arrêté tout. Au niveau du département du centre, côté que nous sommes dit tout à l'heure, opération lui-même est en nid, et gagné Exantus Logan. Monsieur continue que les gros mal, monsieur est activement recherché et il fait partie d'un réseau gang qui est en tête li, Mario, qui continue tout, qui est les Tizo, ainsi connu. Monsieur lui-même, yo, l'extérieur lui-même évolue dans une zone qui est les Sarrasiens et qui trouve dans le département et Centre-Lan. Gagné tout. Lors de l'opération conjointe avec Parquet, Mirbalet, gagné Angelo Marseille, qui malheureusement blessé mortellement, dans l'échange de tir avec la police, et gagné tout un fusil de calibre 12 qui récupéré lors de l'intervention ça, et puis un véhicule confisqué. Et n'a pas noté que l'opération ça lui-même était déroulée dans la zone Boucan Carré, et gagné 5 autres monde qui arrêté lors de l'intervention. Nous avons toujours été avec Popol, la police Gary Deosier, Foissac, prêt à parler de questions bilan la police nationale d'Haïti et gagné pour elle. Popol, la police a présenté bilan opération la police menée dans plusieurs départements en DAP d'Haïti, sorti date dans date qui était 15 février pour arriver juin et jeudi. Dans quatre opérations Sayo, la police a saisi 15 armes, 5 kilos cocaïne à 4, 12 kilos marijuana saisi. Plusieurs bandits tombés dans l'échange coup de balle avec la police nationale d'Haïti. Il y a 462 individus qui jouent en arrestation pour divers chefs accusations, tant qu'au vol, viol, homicide, trafic ZAM, pour ne citer ça seulement, selon Gary et Deosier. ZAM qui saisi, plusieurs munitions, il y a 10 véhicules qui confisqués par la police, 5 kilos cocaïne saisi, 12 kilos de marijuana saisi. Il y a 4 cas de viol que nous recensons, dont 2 mineurs. Il y a plusieurs bandits qui, malheureusement, blessés mortellement. Et au niveau de la circulation, il y a 10 blessés, dont 7 dans l'ouest, et 6 morts, dont 3 au niveau centre. Il y a en total 462 arrestations qui faites sur tout département. Nature, ensemble, et arrestations sérieux, c'est viol, agression sexuelle, homicide, vol de véhicule, enlèvement, détention, illégal d'armes, vol armé, recette, disons, et trafic de drogue. DCPJ arrêté Jimmy Féville, Enzo Etienne, Jean-René Laguerre, Félove Belsin, et lui déféré 5 Mounsayo au niveau parquet. Pour détention illégale ZAM, usurpation de titre, faux et usage de faux en écriture, vol à main armée. Gagné Marc Holder, Milfort, qui continue que les Marco, Christin Sampeur, Foufoun Pierre, Peterson Guillaume, qui continue que les Boss Tonton, Prénor Alexandre, tout le monde a arrêté et a déféré. Gagné Marjorie Bruce, que le DCPJ déféré. Pour implication présumée dans acte banditisme et affiliation que le gagne avec gang 5 secondes. Gagne tout Evans Lager et qui a arrêté pour tentative de kidnapping et vol de véhicule le 16 février 2023 au niveau champ de masse. Pour cas de viol, DCPJ procède à arrestation Jean-Élie et petit frère, 32 ans, pour viol et détournement mineur sous un mineur de 16 ans. Ça passait au niveau d'Elma 33. Gagné Roman Luc, 47 ans. Il a arrêté lui pour viol et au niveau 42 et son mineur de 9 ans. Gagné Tifran et Garbi et qui a arrêté lui-même pour agression sexuelle à Cité Soleil et sous deux mineurs, Youn 15 ans et l'autre là gagné 16 ans. Gagné tout, toujours dans le cas d'arrestation des CPJ, Jean-René Mediva, Robinson Télémac, Osner Guerrier. Il a arrêté Mounsao pour implication présumée dans acte de vol et association malfaiteur. Gagné
Jesli Joseph tout et qui lui-même a travaillé dans le palais national côté que arrêté lui le 6 mars 2023 et pour acte de faux et usage de faux en écriture. Alors monsieur lui-même lui a fait faux certificat et police judiciaire à savoir la DCPJ. Au niveau des DNO, il y a 5 personnes qui ont arrêté pour drogue. Romain Philidor, 25 ans. Louis Jo Junel, 30 ans. Louis Manif, 30 ans. Fraki Pierre, 32 ans. Joseph Robinson, 30 ans. Monsieur Zaroté a bon un véhicule. Et numéro flactant, c'est AA94-44-44. Gary Desosiers, qui est toujours dans le cadre de rencontre avec la presse, hier jeudi, là, il était parlé sur l'autre dossier côté Gary Desosiers annoncé la DCPJ, transférer 2 individus dans le cabinet d'instruction, dans le cadre de dossier trafic ZAM qui impliquait l'église épiscopale d'Haïtien. Parallèlement, Gary Desosiers fait connaître la police lancé 14 avis recherche dans le cadre dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse. Dans. Parmi, on dit 14 avis de recherche, il y a 8 policiers que la police a cherché Kougen Foutou. Ils ont lancé avis de recherche derrière, on dit gros bandit ça, qui s'évitait l'homme innocent, Joseph Félix Badio, qui est considéré comme auteur crime assassinat ancien président Jovenel Moïse. Dans. Pasteur Gérald Bataille, c'est parmi monde qui ont lancé avis de recherche derrière, yo, qui est pour eux avec un dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse. Dans. On écoute pour une dernière fois Gary et Desosiers. Dossier qui est pour eux avec l'église épiscopale, DCPJ via BAF, il y a 2 personnes qui ont transféré, disons qu'ils ont différé, le 7 mars 2023, dans 4 dossiers que nous connaissons. Et nous avons différé au niveau cabinet d'instruction, il y a Denika Jules, Cléberson Jules. Et dans un petit tout, dans 4 dossiers, assassinat président Jovenel Moïse, DCPJ déjà été fini à rapport qu'il a élaboré qui au niveau cabinet d'instruction et toujours dans le cadre trapé ça et qui gagne pratiquement 2 volets qui ont volet économique et un volet qui est pour avec crime gagne 14 avis de recherche pour le moment qui est lancé parmi eux 8 policiers Paulas Eugène avis de recherche. Jean-Baptiste Altès, policier. Encore, on a noté que Paulas Eugène sont policiers. Jean-Baptiste Altès, policier. Lundi Jameson, policier. Sylvain Hervé, policier. Pierre Leslie, policier. Milford Roosevelt, policier. Rodriguez Evaldo, policier, et Sila Esther, qui c'est une policière. J'ai été annoncé dans le titre journal, bon côté numéro 1, l'armée canadienne, non? Wayne Eyre, qui est même, il est là. Après, dans le cadre d'une interview que, avec Journal Reuters, l'IFEC qu'on est là, pays Canada, pays là, pas de capacité pour diriger une mission sécurité en Haïti. On vient avec des détails sur ça. Chef état-major Défense Canada déclaré hier jeudi, mais depuis qu'on a quitté lui maintenant, que force l'armée, pays le Canada, y'a pas de capacité pour diriger une éventuelle mission sécurité en Haïti. Oui, Eyre, lui rappelait que l'armée canadienne, déjà, là, supporté là, un dit pays Ukraine, 4 guerres qui déclenchaient depuis plusieurs temps là, les mêmes avec pays la Russie. Solution pour question sécurité qui gagne Haïtien là, d'abord, c'est l'idoué sorti et bon côté haïtien. Selon ça, qui déclarait bon côté chef d'État. Dans Ottawa pour Away et Ré. Li retourner à bon côté ça pour dire que ben c'est haïtiens ensemble qui pour garder comment capable une solution dans crise pays là entre eux ensemble pour garder comment capable une solution dans crise pays. Justin Trudeau premier ministre du pays Canada lui-même qui était déjà a fait connaître que solution li doit sortir bon côté haïtien yo. C'est même déclaration ça que numéro 1 l'armée Canada lui-même li renouveler li répéter le redit encore. La déclaration mais c'est
déclaré, fait qu'on est que force l'armée et Canada, je dis en là, mais li déjà apporté si pour apporter don avec pays Ukraine, que je dis en là, stock ça a gagné comme matériel, comme résorce, beaucoup de même, comme on dit l'armée et canadienne, non? Réduit. L'armée canadienne a planifié activement son augmentation effectif à brigade li dans cadre mission défense organisation traité Atlantique Nord en Lettonie. Et ça, qui signifie que participation environ 2000 soldats canadiens là, qui je les ai trouvés là, dans le pays Lettonie, qui partageait frontière avec un pays la Russie. Et je dis là, on fait connaître qu'il y a un déploiement actuel là, qui a fait entre 700 à 1000 soldats. Pour chef état-major pays qui défense Canada, il fait qu'on est que je dis à la pays a fait face avec manque moyens militaires. Ça veut dire puisque il a porté aide avec pays Ukraine, il a déployé soldats en Lettonie qui gagne frontière avec pays la Russie, mais il a gagné une carence là en matériel avec tout effectif soldats pour être capable de voyer en Haïti mission venir prendre tête en mission. Notez que dans l'année passée, pays Canada dépensé selon information plus passé 1 milliard de dollars canadiens, soit qui évalue à 724 millions de dollars américains pour assistance militaire à l'Ukraine. C'est-à-dire dépenser comme ça pour voyer bail pays Ukraine soldats matériels. C'est-à-dire dépenser comme ça. Je dis en là, pays Canada a préparé presque pour doubler présence li en Lettonie, j'en dédie là, qui partage frontière avec pays la Russie. Et pour que yo gade comment encore le cas, poté si pas avec pays Ukraine dans quatre batailles ça qui déclenché entre autorité pays Russie avec autorité pays Ukraine. En gros c'est ça pour répéter on dit au chef état-major pays Canada l'éclair pour dire dans interview que avec journal Reuters que pays Canada pas gagné capacité dans moment ça pour ta venir diriger une mission en Haïti. Responsable pays Canada a affirmé que États-Unis les même a fait pression sur là pour que Canada capable prendre leadership dans le cadre éventuelle intervention militaire qui est capable faite en Haïti. Président américain Joe Biden lui-même clair, beaucoup d'administration Biden nan, yo encore a mette pression, beaucoup d'autorités pays Canada yo, pour garder comment que yo ka vin pren tête en mission en Haïti. Mais jusqu'à présent, selon chef major ou état-major pays Canada, li clair pour montrer et pour dire que Canada va gagner capacité là, je dis en là, pour vin pren tête en mission en Haïti, parce que déjà engagé yo, nan kore pays Ukraine, nan kat guerre qui déclenché entre Ukraine avec la Russie, ça qui gagne plus passé, on l'année.